Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre. 28 décembre, nous sommes encore là pour notre café matinal où nous allons monter encore 7 échelons, encore en plus aujourd'hui. Nous arrivons vers la fin, mon frère, ma sœur. Allons-y. Christina, qu'est-ce que tu vas nous prendre aujourd'hui? Un latte macchiato. Un latte macchiato. Karine? Eh bien, moi, ce sera un café fort aujourd'hui. Ah, donc comme moi. Donc, c'est deux cafés forts et un latte macchiato. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Hier, nous avons pris Proverbe, chapitre 4, verset 21. Aujourd'hui, on aimerait bien prendre Proverbe, chapitre 4, au verset 23, cette fois-ci, qui nous dit, et c'est bien connu, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et le titre du message d'aujourd'hui est « Gardez votre cœur ». Proverbe chapitre 4, verset 21 nous enseigne, et on l'a vu hier, « Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. » Il faut garder la parole de Dieu dans votre cœur, mon frère, ma sœur. Ensuite, Proverbe chapitre 4, verset 23, vous exhorte à garder ou veiller sur votre cœur. Ensuite, Proverbe chapitre 4, verset 23, vous exhorte à garder ou veiller sur votre cœur. Comment y arriver? En tenant la parole dans votre cœur. Comment tiendrez-vous la parole de Dieu dans votre cœur? En méditant la parole de Dieu, constamment, c'est-à-dire en y réfléchissant jusqu'à ce qu'elle fasse partie de votre conscience intérieure. Ne mémorisez pas seulement les Écritures pour ensuite les oublier. On peut mémoriser les Écritures et les répéter comme un perroquet sans qu'elles aient du sens pour vous. Ces versets sont seulement dans votre intelligence, donc au niveau de votre âme. Mais non, réfléchissez-y jusqu'à ce qu'il s'enracine dans votre cœur. Nourrissez-vous-en. Il faudra du temps pour faire cela. Mais à la longue, les Écritures toucheront votre cœur. Les paroles de Dieu vous donnent la vie et la santé. Elles sont des médicaments pour tout votre corps. Je ne peux pas répondre pour vous, mais personnellement, je ne m'imagine jamais malade. Je m'imagine toujours en bonne santé. Si j'ai besoin de quelque chose, de guérison ou d'autre chose, je pense tout de suite à ce que dit la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Beaucoup de gens commencent à paniquer si quelque chose va mal, disant « Seigneur, qu'allons-nous faire maintenant ?» ou « Quoi faire ?» Ils ne regardent pas leur cœur en s'exprimant ainsi. Je conseille toujours, consultez la Bible. Je ne veux pas que votre foi soit basée sur ce que je dis ou ce qu'un autre prédicateur déclare. Si vous ne le trouvez pas dans la Bible, ne l'acceptez pas. Ne laissez pas s'enraciner dans votre cœur. J'aimerais que votre foi soit fondée sur ce que dit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne déçoit jamais si on y met notre foi entière dans ce qu'elle dit. Vous savez, mon frère, ma sœur, combien de fois vous êtes passé par des moments durs, des moments même très durs. Et vous voyez que même des paroles de frères et de sœurs qui ont essayé de vous aider, ben, n'a rien arrangé à tout cela. Mais combien de fois, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, où tu ouvres la Bible et tu tombes sur ne fût-ce qu'un seul verset. Et ce verset-là, mon frère, ma sœur, te relève la tête et comme une bouée qui te fait remonter à la surface des eaux, mon frère, ma soeur. Parce que la parole de Dieu a cette efficacité. Dieu n'est pas dans le découragement. Dieu est dans l'encouragement. Dieu n'est pas dans la détresse. Il est un soutien dans la détresse,
mais il veut que nous sortions de cette détresse, mon frère, ma sœur. Il ne veut pas que nous soyons dans un état permanent de détresse. Il ne veut pas que nous soyons dans un état permanent de maladie. Il ne veut pas que nous soyons dans un moment perpétuel de découragement. À un moment donné, mon frère, ma sœur, il faut regarder ce que la parole de Dieu vous enseigne, ce que l'Esprit de Dieu veut vous révéler dans votre âme, dans votre fort intérieur, parce qu'il veut vous relever. Il ne veut pas que vous restiez affalé à terre. Il veut que vous repreniez votre course. Même si c'est en boitant un tout petit peu, ce n'est pas grave. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous ne restiez pas affalé à terre, la face contre terre, en train de murmurer contre Dieu. Mais Dieu veut que vous commenciez à regarder le ciel et à dire merci Seigneur, parce que tu vas me relever. Amen. Parce que tu vas commencer à fortifier mes reins. Amen. À fortifier mes genoux, à fortifier mes pieds, à fortifier tout mon être entier, parce que je vais me relever. Je refuse de rester affalé à terre, dans la détresse, dans le cri de désespoir. Non, Dieu t'appelle aujourd'hui à recommencer, à regarder en l'air et à commencer à battre des ailes, parce que tu es un aigle et tu n'es pas un poulet, mon frère, ma sœur. Non, tu es un aigle et l'aigle prend son envol parce que chaque matin, Dieu veut te restaurer, Dieu veut te relever, Dieu veut t'encourager. Donc ne regarde pas aux difficultés, mais regarde à ton Dieu qui est là et qui veut te sortir de ce désespoir. Tu dis, mais Seigneur, où es-tu? Et Dieu te dit aujourd'hui, sors de ce désespoir, sors de ce découragement. Fais un autre pas de plus comme hier, fais un pas de plus parce que je veux te sortir de ça au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Alléluia, béni soit ton nom Seigneur, merci encore pour ces conseils que tu nous donnes Seigneur. Et c'est vrai, nous voulons garder notre cœur plus que toute autre chose, ne regarder ni à gauche ni à droite, mais veiller sur notre cœur Seigneur, afin que seulement la bonne semence puisse y germer Seigneur mon Dieu. Et voilà ce que tu nous dis dans Proverbes à partir du verset 1. Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes, mes conseils, mes instructions, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur, grave-les afin que jamais ils ne s'effacent. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi donc, mon fils, ma fille, en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ton chemin sera balayé de devant tes pas. Ne sois point sage à tes propres yeux, mon frère, ma sœur, mais crains l'Éternel. Crains-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, car ce sera la santé pour tes muscles et un puissant rafraîchissement pour tes os. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être entier. Oui, tout ton être entier, mes bien-aimés. Voilà ce que nous dit la parole. Et que nous est-il dit dans Proverbes 4 au verset 20 ? Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles et prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mes bien-aimés, nous devons garder notre cœur et devons le nourrir de bonnes choses, de la parole de l'Éternel. Il n'y a pas d'autre médicament plus puissant que la parole de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui je veux prier avec vous. Assemblons-nous tous ensemble et prions de cette manière afin que nos cœurs soient protégés et gardés par la parole de l'Éternel. Ô Seigneur Dieu éternel, que nos cœurs soient comme celui de cette femme dont nous disions hier le récit, la femme à la perte de sang. Même quand tout semble impossible à nos yeux, aide-nous à garder cette foi et cette détermination inébranlable en toi, que tu demeures celui qui peut changer notre histoire
en un instant. Oui, Seigneur, tu peux tout changer, je le proclame. Nous voulons nous humilier devant toi et venir toucher chaque jour le bord de ton vêtement et ainsi braver la foule de nos impossibilités. Seigneur, peu importe notre condition physique, émotionnelle ou spirituelle, nous ne voulons pas nous laisser convaincre que nous sommes trop faibles pour venir auprès de toi et recevoir la vie et la santé que tu veux donner à nos corps affligés. Nous voulons garder à nos yeux qu'il ne demeure qu'une seule et unique vérité. Jésus-Christ s'est sacrifié pour me guérir de toutes mes maladies et de toutes mes infirmités. C'est toi-même qui le déclare, tu es celui qui me guérit. Tu veux me voir en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. C'est ta pleine volonté de me voir en bonne santé. Et il n'y a aucun doute à ce sujet, je le reconnais. Seigneur, je viens devant toi en toute humilité. Je veux te surprendre par ma foi et ma détermination aujourd'hui. Seigneur, viens à mon secours. Je le déclare, lorsque tu viendras, tu trouveras en moi un cœur rempli d'espoir et de confiance en toi. Seigneur, je refuse de m'affliger avec mes incertitudes et mes symptômes. Seigneur, dehors le doute, dehors l'incrédulité. Je suis maintenant en chemin pour m'emparer de la vie en Jésus-Christ. Je ne veux plus me reposer sur mes lauriers. Maintenant, c'en est fini de la lassitude et du découragement. Maintenant, je me lève car je suis déterminé à saisir ma part de la bénédiction. Non, je ne lâcherai rien jusqu'à ce que j'aie atteint mon but, jusqu'à ce que je sois guéri. J'entends déjà par la foi ta voix qui m'appelle, ta voix qui me dit « Quelqu'un m'a touché ». Oui, j'ai bien senti qu'une force est sortie de moi. Maintenant, mon fils, ma fille, va, car ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, au nom de Jésus-Christ. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Père, je serai attentif à ta parole. Je donnerai la première place à ta parole. Je porterai l'oreille à tes discours. Je ne permettrai pas que ces paroles s'éloignent de mes yeux. Je les tiendrai au fond de mon cœur. Je marcherai dans la santé et la guérison. Je marcherai dans la vie de Dieu. Mets ce que Dieu a dit dans sa parole à la première place. Au-dessus de tous les doutes, au-dessus de toutes ces épreuves, tous ces symptômes, même si ce n'est pas facile, Dieu ne nous a pas dit que ce serait facile, mais il nous a dit qu'il serait avec nous. Amen. Alors ne doute jamais que Dieu est à tes côtés et qu'il te protège et qu'il te garde de tout ce qui pourrait arriver. Il ne nous a pas dit qu'on ne marcherait pas dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il nous a dit qu'il serait avec nous. Alors ne doute pas que Jésus est à tes côtés et qu'il va te sortir de cette maladie et de cette mauvaise santé que tu as pour le moment. Il t'a promis une bonne santé, alors il n'est pas un Dieu pour mentir et il te la donnera. Aie la foi et mets la parole de Dieu à la première place. La parole qu'il t'a dit, tu seras guéri et par mes meurtrissures, tu es déjà guéri. Mets ça à la première place, ne fais pas attention aux doutes et à tous les mensonges que l'ennemi pourrait mettre dans ta tête. Ne te laisse pas décourager et continue à avancer, à te battre. Fais encore un pas de plus. Amen. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur. Encore merci pour ta parole. Seigneur, nous n'avons plus d'autre choix que de nous accorder avec ta parole et de la garder dans notre cœur parce que nous savons que c'est de là que nous tirerons notre force pour avancer jusqu'à l'accomplissement de ta parole, Seigneur, sur nos vies. La parole que tu as relâchée, c'est que nous sommes guéris par tes meurtrissures et nous voulons garder nos yeux fixés sur cela, nos pensées fixées sur cela, notre cœur rempli et imbibé de cette parole. Tu es l'Éternel qui nous guérit et nous serons guéris. Nous allons acquérir notre guérison par notre foi. Exode 15, 2 nous dit ceci, « L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. » Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est ce que tu dois regarder, c'est ce que tu dois méditer. L'Éternel est ta force, l'Éternel est le sujet de tes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, c'est mon Dieu et je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père et je l'exalterai. Voilà
la parole sur laquelle je veux méditer aujourd'hui, Père. Tu es ma force et c'est toi qui me sauves, c'est toi qui me guéris, c'est toi qui me restaure. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare pour ma propre vie et je recevrai le fruit de mes paroles, le fruit de ma foi qui se pose en toi encore aujourd'hui. Soyez puissamment bénis encore en ce jour de grâce que Dieu nous accorde. Que la bénédiction soit sur vos vies et qu'elle vous enrobe de tous côtés. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez guéris. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.